Mais, vous le savez, depuis que la guillotine existe, il n'a pas manqué de témoins, en dépit de la loi, pour dire l'horreur du supplice. Voici comment cela se passe en France, un des rares pays développés à appliquer encore la peine de mort. Christian Ranucci, âgé de 21 ans, il a été exécuté à 4h13 ce matin à la prison des Baumettes, à Marseille, pour l'assassinat d'une petite fille qu'il avait commis à 19 ans. Il a été exécuté selon la loi, selon l'article 12 du Code pénal. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. L'article 15 du même Code pénal nous fait interdiction de recueillir et de diffuser la moindre information relative à l'exécution. Mais, vous le savez, depuis que la guillotine existe, il n'a pas manqué de témoins, en dépit de la loi, pour dire l'horreur du supplice. Voici comment cela se passe en France, un des rares pays développés à appliquer encore la peine de mort, par la guillotine. Je vous donne lecture maintenant de l'affiche apposée, toujours selon la loi, sur la porte de la prison des Baumettes à Marseille ce matin, 12 minutes après l'exécution. Le texte, dont je vais vous donner des extraits, est signé du greffier en chef adjoint du tribunal de grande instance de Marseille. Nous nous sommes transportés à la maison d'arrêt des Baumettes de Marseille pour assister à l'exécution de la peine de mort prononcée le 10 mars 1976 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en réparation des crimes d'enlèvement de mineurs de moins de 15 ans et d'homicide volontaire de Ranucci Christian, né le 6 avril 1954 à Avignon, Vaucluse. Suit la liste des personnes dont c'était le devoir d'assister à cette exécution. Président de la cour d'assises, procureur de la République, juge d'instruction, aumônier des prisons, docteur de la prison, contrôleur général, commissaire inspecteur et les trois avocats du condamné. Et fin du texte officiel, nous avons assisté à la remise du condamné entre les mains de monsieur l'exécuteur en chef des arrêts criminels et de ses aides, lesquels ont procédé à leur mission dans les formes prévues par l'article 12 du Code pénal, savoir la décapitation du dit Ranucci. Monsieur le docteur Tosti, commis à cet effet, a constaté le décès. Le nommé Ranucci, Christian, n'a pas fait de déclaration.